J'ai pas l'habitude de parler sans Ständer, je suis désolé. Hein. Et aussi sans guitare, ça va non plus. Mesdames, messieurs, j'ai faim! Alors, j'essaie de faire ça très court. Ich präsentiere euch meine beiden Assistenten. J'ai deux assistants qui sont ici. Un Saint-Ginois, Beat von Lantern, mesdames, messieurs. Beat, kannst du mir schnell, dass ich den Faden hier habe? Je suis très analogue aujourd'hui, hein. J'avais pas le temps de me préparer. J'avais juste une heure pour me préparer. Nicolas, l'autre assistant, Roman. Alors, il faut juste tenir bien, ok. Martha Sergo, c'est déjà un joli pont, hein. Pont linguistique, français, allemand, bilingue, bilingue. Je vous présente quelques mots. Ich zeige euch einige Wörter, meine Damen und Herren. Und ich versuche, euch die zu merken, surtout le Welsch. Il faut que vous gardez ça dans la tête, ok? Premier mot, c'est ça. Happery. Répétez. Happery, c'est une fraise, ok? Une fraise, ok? Ça reste dans la tête? Happery. Ok. Deuxième mot. C'est une schnitta. Répétez. Schnitta. Non, schnitta. C'est du Saint-Ginois. Hein. Schnitta. Schnitta, c'est une tartine. Ok. Schnitta. Ok. Happy schnitta, une tartine de fraise. Ok. 730. Répétez. Sieben-hundert-trisk. Bien, sound good. Sieben-hundert-trisk. Il y a deux mots maintenant à apprendre, ok? Im Jahr. Encore une fois, c'est pas très bien. Encore une fois, im Jahr, pendant une année. Hein? Dans une année, im Jahr, deux mots. Macht. À l'école, mon fils, il va à la première école, école primaire. Et puis, il doit apprendre le CH. Lui, il doit aussi apprendre l'allemand. Hein. CH, c'est... OK. Macht. Répétez. OK. Fait. Fait. OK. Fait. Rot. C'est rouge. Ça sent un peu bizarre pour le Welsh. R existe peut-être pas. R, mais on peut vous pouvez dire rot. Rot. Dites une fois rot. Ore. Les oreilles. Nasa. C'est pas nasé. Nasé, c'est peut-être bernois ou syrtiricois. Chez nous, on dit nasa. Ok. On n'a pas des. On va pas sur la lune avec la NASA, c'est le nez. Hein? Haar. Haar, c'est les cheveux. Ok. Maintenant, il y a 9 cartes, c'est 9 cartes, mais 10 Wörter. Ok. Im Jahr, 2 Wörter. 10 Wörter. Ok. 10 Wörter. Alles ist klar? 10 Wörter? Okay. Happery ist eine Fräse. Schnitta. 730. 730. Jahr. Pendant l'une année. Hein. Was ist das hier? Macht. Fait. Rot. Rouge. Oreille. Ore. Okay. Vous pouvez laisser tomber une fois. Applaudissez fort pour Nicolas et Beat. Josie, prends cette guitare. Kann ich schnell die Gitarre brauchen? Sie sieht wunderbar aus. Darf ich dich schnell? Wo sind die Musiker? Darf ich schnell? Sie sind nicht da? Okay, nehmen Sie.
Ça, c'est une chanson en dialecte. Est-ce que vous comprenez cette chanson? Ah, un peu richneta, le matin et le soir. Ah, un peu richneta, super honte triste qui m'yard. Macht roti ore roti nasa, ou un peu riroti ha. C'est une chanson enfant que j'écris, assez connue dans Saint-Gilles et plus un peu dans toute la Suisse. Bon, est-ce que vous comprenez cette vous comprenez ce que je dis? Ah, un peu richneta, le matin et le soir. Ah, un peu richneta, super honte triste qui m'yard. Macht roti ore, roti nasa, ou un peu riroti ha. Ok, vous avez compris l'histoire? Ok. Aussi sur le, auf der Seite von TEDx Talk habe ich ein bisschen rumgesurft und habe da auch einen Talk gesehen. J'ai vu un Talk sur TEDx de l'Université Lingnen. Et puis le mec, il s'appelait Chris Lonsdale. Il faut que vous allez regarder, il müsst einmal das schauen gehen. Es geht darum, eine Fremdsprache zu lernen, apprendre une deuxième langue. Okay? Et puis il dit, c'est pas seulement lui qui dit ça, parce qu'il y a une recherche mondialement avec 200, c'est très analogue, hein, vous voyez le feutre noir, il est déjà, j'avais plus, il valait plus, hein, c'est maintenant bleu. 250 mots, mais on dit, kann, si vous savez 250 mots, vous arrivez de parler, de faire une phrase. Ils können einen Satz bilden. Égal dans quelle langue, on parle plutôt de langue européenne, mais... OK, 250 mots. Avec 750 mots, on arrive de parler ensemble. Vous pouvez aller à Berlin, à Hambourg, München, ou à Berne, ou à Tavel, si vous voulez. Et puis, on arrive de parler ensemble avec 750 mots. On arrive de parler. Bien sûr, pas très profond, mais comme quand ich wirklich in die Tiefe gehen, aber wir können zusammen sprechen. OK, 750 mots. Je garde ça un peu près chez moi. Mit 2500 Wörtern, on parle déjà très très bien. Da könnt ihr schon sehr gut miteinander sprechen. 2500 Wörter und wir sprechen schon über verschiedene Themen. 2500 mots, vous arrivez bien parler ensemble. Okay? On parle de 5000 mots et plus. Ça, c'est la langue maternelle. Also, pour des gens peut-être pas très éduqués ou pas très gebildet, tu vois. Mais 5000 mots, on arrive, ça c'est notre langue maternelle, unsere Muttersprache. Puis bien sûr, il y a des gens qui ont beaucoup plus de mots dans la tête, comme moi. Et, mais, das ist Muttersprache. Alors, on oublie. Alors, et puis, moi je me suis demandé, putain, on habite à Fribourg. Hein? Mais on est tout près, hein. Moi je fais un kilomètre et je parle plus français, je parle allemand. Je me suis dit, comment c'est pas possible? C'est parce qu'il faut apprendre 750 mots. Ça veut dire 10 mots, on a appris 10 mots maintenant en Saint-Ginois, ça peut être aussi chinois si vous voulez. Hein. Saint-Ginois, 10 mots dans 10 minutes. Alors, si je vous donne ce devoir, 10 mots dans un jour, dans 75 jours, vous arrivez à parler ensemble. OK? Alors, dans 5-6 semaines, on arrive à parler ensemble. Même si vous êtes un Chinois ou je ne sais pas où, vous parlez une autre langue. Mais nous, on habite tout près, hein? Français, allemand. 750 mots, c'est incroyable, trouvez pas? C'est vraiment dingue, hein? 750, et on arrive à parler ensemble. Alors, dans ces recherches, studie, geht es auch darum, il sait, le talent, c'est égal, le talent, on s'en fout, le talent. Vous pouvez être vraiment stupide, talent, c'est égal. Hat keinen Einfluss, hein? Ça n'a pas d'influence pour apprendre une langue. Mais, man muss Fehler machen dürfen. Il faut avoir le courage de faire des erreurs.
Moi, j'étais en deux. Je vois, il y avait Nicolas Bidot ici. Puis on est aussi invités en Jakarta et Manille il n'y a pas longtemps. Aussi par Présence Suisse qui nous avait invités. Et moi, je dis aux étudiants sur place, il y avait une grande faculté française à Jakarta. Je dis, hey, welcome all the students of the faculty in. Et puis l'autre à côté, mon pianiste disait, putain, tu peux pas dire fuck you ici, tu vois. Mais moi, j'ai fait des erreurs, tout le monde a rigolé comme vous. Alors, alle haben gelacht, und scheißegal, irgendwie, das geht schon. Okay. Il faut faire des erreurs. Mesdames, messieurs, moi j'ai un 3,5 dans mon, in meinem Zeugnis. Comment on dit carnet, école, machin. Zeugnis, comment on dit en français? Voilà. 3,5. Et moi j'ai un prix de du bilinguisme du canton Fribourg, mesdames, messieurs. Ok? Ok. Il faut faire des erreurs, mesdames, messieurs. Et je sais. Happy Schnitter Sound, c'est un peu bizarre. Es tönt ein bisschen komisch, hein? Der Sound. Man muss sich daran gewöhnen. Man muss sich ein bisschen auch dafür interessieren. Je me suis pas du tout intéressé du français, mesdames, messieurs. Pas du tout. Jusque j'ai fait la connaissance avec Céline. Et Céline, elle parlait que français. Céline war französisch sprechend. Et moi, j'ai appris dans 2-3 semaines, je pouvais parler avec elle. Ok? Peut-être avec seulement 20 mots, mais j'arrive à parler avec elle. Puis sounds bizarre. Moi, je vais dans des écoles germanophones et puis j'apprends une chanson en français. Ich gehe in die deutschsprachigen Schulen. Spiele ein Lied. Je fais le contraire bientôt dans les écoles romans. Alors, et puis j'apprends une chanson en allemand. Juste pour qu'ils ont pris le plaisir et puis entendre « Ah, l'allemand, c'est pas si nul ». Vous voyez, à Fribourg, c'est proche, le allemand-français. Mais quand je vais à Lausanne, ils n'ont rien à foutre. Non, mais je suis désolé. Je rigole pas. Lausanne et puis Genève, encore pire. Alors, ils ont rien à foutre du allemand. Parce que ça ne sonne pas bien. Ils n'entendent pas la musique un peu. Ils ne connaissent rien. Tandis, quand je vais à Berne, Zurich, ça va encore. Mais quand je vais à Tourgovie, Saint-Gall, ça sonne aussi bizarre, le français. Mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude, comme nous. Mais nous, c'est important, je trouve. À Fribourg. Alors, the sound, you have to listen. Il faut un peu écouter. Un peu. Comment ça sonne le Happerichnetta? Comment ça sonne la bénédiction? C'est un peu. Voilà. Et après, parler, c'est un training, mesdames, messieurs. C'est un training. Il faut toujours le faire un peu. Cherchez-vous un bon copain suisse-allemand comme moi. Moi, je fais un training avec vous et vous apprenez. Le vocabulaire passif, il est beaucoup plus vite que actif, alors vous arrivez de peut-être comprendre 750 mots, mais pas parler, mais avec moi, facile, hein? Training. Et à la fin, et puis ça je trouve dans cette étude, dans cette étude, fand ich am besten, la clé pour apprendre une autre langue, c'est pas seulement langue, c'est aussi la culture, c'est de nous aimer. Wir müssen uns ein bisschen lieben. Et puis, c'est pas seulement aimer quelqu'un d'autre, c'est aussi avoir l'intérêt à quelqu'un d'autre. Muss sich interessieren für den anderen. Das tönt jetzt hier schön, so, hein? So religieuse presque. Hein? Et, parce que moi, j'apprends ça depuis 20 ans. Je chante en ces deux langues. Et puis, la seule chose que moi, j'ai fait à mon début, quand begonnen habe, als ich begann, la seule chose que j'ai fait, je trouvais une fille très belle et je voulais apprendre cette putain de langue parce que je voulais parler avec elle et pas seulement. Vous voyez, alors c'était la clé, juste d'avoir l'intérêt à quelqu'un d'autre. J'ai encore 10 minutes à pause ou quoi? C'est fini ou? C'est vrai? Encore une chanson? Moi j'ai fini, mais merci bien de m'écouter.